Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, ça va être une vidéo colis. Et oui, j'ai commencé à recevoir mes petits colis de la part de Amazon. J'en ai reçu qu'un et j'attends un deuxième pour vous présenter les deux à la fois en détail. Donc, il y en a déjà celui-ci et puis il m'en reste un tout petit avec les chouchous. Bon, je sais que c'était pas très intéressant à voir, mais je préférais quand même vous montrer la qualité de ces chouchous que je me suis acheté sur Amazon et leur prix également. Donc cette vidéo sortira probablement après 10 août car les chouchous vont arriver dans ces dates-là. Parce que je suppose que ça arrive depuis la Chine. Mais bon, ça je le savais, donc il n'y a aucun souci avec ça. Donc je vous laisse avec la petite vidéo. Présentation. Eh bien, j'ai déjà tout ouvert pour vous présenter tout ça. Donc, on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Ce sont des produits qui viennent de chez Amazon. Et on va les ouvrir ensemble. Donc, dans un premier temps, j'ai commandé ces chouchous. Oh, pardon, c'est pas des chouchous. J'attends les chouchous. Là, j'ai commandé des barrettes. Ce sont des barrettes. Je mettrai les prix ici directement. Il me semble que c'était dans les 8 euros. Mais je vous mettrai le prix quand même. J'aime bien, il y en a 5. Voilà, j'ai pas payé les frais de livraison parce que j'ai choisi, vous savez, la version d'essai 30 jours avec Amazon Premium. Donc j'ai sélectionné ça et du coup j'ai reçu mes petites barrettes gratuitement. Livraison gratuite, je veux dire. Voilà, donc il y en a, c'est des crabes, je crois, ça s'appelle comme ça, la forme. Donc il y en a un orange comme ça, il y en a du kaki. Bon, c'est pas très joli comme couleur, mais franchement, ça me va bien avec mes cheveux très clairs. Ça se voit presque pas avec celui-ci qui est le plus moche, je trouve. Puis celui-ci, j'aime beaucoup cette couleur un peu marron cuivré. Et puis il y en a deux classiques, hein, gris et noir. Voilà, j'espère que ça va tenir suffisamment longtemps, comme j'en avais plein d'autres barrettes. Il y en a la dernière qui me reste, qui est déjà au bout de sa vie aussi. Donc voilà, ça me servira beaucoup. Ensuite, vous avez aperçu ceci, hein, donc c'est la petite Kangourou Family, donc c'est le Sylvanian Families. C'est ce que j'ai commandé sur Amazon, c'est ce qu'on voit partout dans les magasins. Et en fait, comme ma petite nièce va avoir ses 2 ans, et ben, je lui ai choisi ça comme petit cadeau. Je pense que ça lui plaira, elle a déjà une petite maison de poupée, et bon, elle va jouer dedans avec ses petits kangourous. Et ça a coûté dans les 20 euros, il me semble. Je vous mettrai aussi le prix ici. Il me semble que c'est 19,99, un truc comme ça. Bon, c'est à partir de 3 ans, mais comme sa mère est tout le temps présente, ma soeur, donc ça va. Ça va bien se passer. Et enfin, pour le dernier, bah, c'est ça. Par contre, là, franchement, je ne me rappelle absolument pas du prix. Mais c'était en dessous de 15 euros, il me semble. Donc, c'est un Moleskine que je me suis acheté. L'année passée, j'avais utilisé l'agenda... gratuit qu'on m'avait donné. Cette année, j'ai décidé de me prendre un agenda que je veux. Bon, je suis désolée, je vais ouvrir avec une pince, c'est tout ce que j'ai sous la main là. Cette année, j'ai décidé de m'acheter un joli agenda. Comme d'habitude, j'aime beaucoup utiliser les agendas, mais quand ils sont moches, j'arrive pas à les utiliser. Et là, comme celle-ci, elle est jolie, donc je vais pouvoir en profiter. Et puis là, vous pouvez télécharger gratuitement sur moleskine.com Diary Diadons. Diary Aidance, donc Free Contents and Tools. Donc vous pouvez télécharger des trucs, tools, je ne sais pas trop ce que c'est. À mon avis, ça doit être des autocollants ou des pages, je ne sais pas, je vais vérifier. Pour ne pas dire des bêtises. Enfin, j'en ai déjà dit des bêtises, peut-être. Donc on enlève ça, c'est pour 18 mois, on peut l'enlever. Donc ça débute en juillet, donc ça a déjà débuté, donc c'est un petit peu trop tard, hein, mais enfin bon, c'est pas très grave. Ça me restera encore pour une petite semaine si jamais j'ai des entretiens prochains à venir. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez utiliser ceci comme un calendrier, vous voyez, vous pouvez ouvrir ici et le poser en fait sur pied. Et là, vous avez un petit calendrier comme ceci, 2020. 2020, voilà, de chaque côté 2020. En fait, vous le pliez comme ça, je crois, et vous pliez ça aussi, hop.
Vous découpez ici un petit truc et enfin vous formez un petit quelque chose dans ce style-là. Et vous avez votre petit calendrier que vous pouvez poser sur votre bureau ou peu importe où, voilà, si vous voulez. Hein. Ensuite, j'ai bien aimé, parce que déjà, j'ai bien aimé que ce soit le format poche. Je me suis choisi une couleur bleue et non pas un noir, comme j'ai l'habitude de choisir une couleur noire. Là, je me suis dit, allez, on va se lancer dans le bleu, quelque chose d'un peu plus calme. Pas trop autoritaire non plus. Je ne pense pas que ça soit du cuir, mais je ne sais pas. Donc si tout est marqué en anglais, par contre, hein, il faudra que je m'y remette à nouveau ou que je traduise à ce qui est affiché. Là, je suppose que voilà, et vous notez votre adresse, votre nom, prénom, si jamais vous les perdez, au moins. Ah, ils disent aussi pour combien il sera récompensé la personne. C'est fou ça. Ensuite, donc la page Moleskine Weekly Notebook, donc 2019-2020. Là, vous mettez encore vos personnelles informations, vos informations personnelles. Là, vous avez le calendrier 2019. Tout est en anglais, comme je vous ai déjà dit. Ici, les numéros de semaine, c'est bien, parce que moi, je voulais absolument avoir des numéros de semaine. Par contre, là où je suis embêtée, c'est les vacances et les jours fériés, mais je pense que je pourrais me les noter toute seule ici. C'est pas bien grave. Et là, vous avez aussi une petite ouverture avec les semaines et les journées. Les dates, pardon. Voilà, pour toute l'année. L'année 2020, et pareil. C'est un petit planning en fait. Voilà. Bon, ça, je n'utilise pas vraiment ce genre de choses, mais on verra si je vais utiliser ici. Et même 2021. Puis ensuite, ici, vous avez des vacances internationales. Pas mal. Et est-ce qu'on en a en France? Pardon, pas les vacances, les jours de les fériés internationaux. Donc vous avez là le 14 juillet, le 15 août, le 1er et 11 novembre, 25 décembre. C'est bien ça, c'est pratique. Je pourrais même souligner ici en feutre. Et je saurais que c'est pour la France. Ah bah tiens. Il y a quoi d'autre qu'on paye? Il y a la Suède aussi, c'est bien. Enfin, ah, il y a même la Russie. Pas d'Ukraine, mais il y a même la Russie. Ça, c'est pas mal, ça. Et puis là, vous avez les zones de... Comment on appelle ça? Time zones, ça s'appelle en anglais, si vous voulez. Hein. Donc, c'est pour voir la différence, écart d'heures dans les pays, en fait. Plus 3 heures, moins 2 heures, etc. Ensuite, ici, vous avez Major and Conversion. Ah oui, la convertisseur des mesures. Par exemple, un gallon, c'est 4 quarts, 2 pintes, c'est 1 quart. Enfin, voyez tout ça. Donc, ce qui est aux États-Unis, ce qui est en anglais utilisé, etc. Pour le poids séparé. Ça, c'est pratique, franchement, quand vous faites des achats, par exemple, des vêtements. Et des fois, vous avez des tailles et tout ça. Même, pas que les vêtements, mais des choses quand vous achetez à l'étranger. Parfois, c'est noté avec des mesures anglais ou américain. Et ça, c'est pas mal. Après, les températures, le kilométrage, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah oui, voilà, donc en parlant de vêtements, international sizes. Donc ici, vous avez les tailles hein, pour les vêtements, pour les messieurs et pour les dames. Ça, c'est bien. Pour les jeans, pour les hauts, pour les t-shirts, voilà, pour les chaussures. Et là, c'est Dailing Cuts, My Place is Checks. Check. Ah oui, ça c'est pour appeler quand vous téléphonez quelque part, donc c'est les codes des pays. Et Travel Plan, là vous pouvez marquer la destination, l'itinéraire, la date et les notes que vous avez à faire pour aller où vous voulez. Et donc, My Extraordinary Moments is this year. Là vous faites un peu comme un bullet journal, vous notez, vous collez des choses si vous voulez. My Blank Space, donc Make this space your own at Moleskine.com. D'accord, c'est là que vous pouvez coller et faire des trucs là, Free Contents and Tools, ici. Ça va être un peu au style aussi Bullet Journal. Et là, donc, join the dots, color and use stickers to create a map of your unique mind. Peut-être que là, vous pouvez, My Spring Journeys. Peut-être vous pouvez même coller ici, enfin, colorier ici les pays où vous avez été. Enfin, je sais pas, c'est quoi. Enfin, bon, c'est une carte. À voir. Timetable, donc là c'est l'emploi du temps que vous pouvez vous faire. Donc l'heure, les jours, encore l'heure, pareil, pas mal ça. La règle, c'est sympa.
On n'y a pas pensé, hein. Franchement, c'est sympa d'avoir avec soi la petite règle. Moleskine Weekly Notebook, donc 2019-2020. Légende, vous avez ici la petite légende donc, qui vous fait penser que c'est Last Card Moon, dernière carte de la Lune, pleine Lune, première carte de la Lune, nouvelle Lune, Public Holiday. Donc, c'est quoi ça? Par contre, ça, c'est quoi? C'est le soleil ou c'est le... Les fêtes, je sais pas, je vais pas vous dire des bêtises. Moon phase is provided by. Et donc là, ils vous mettent d'où ça vient pour la lune. Et là, voilà, vous voyez cette lune pleine, ou, etc. Pour le soleil, il doit y avoir un truc aussi. Hein. Enfin bon. Et après là, je suppose que ça doit être les jours. Ah oui, bah c'est ça, c'est les jours fériés, pardon, j'ai bien compris. C'est les jours fériés et ça, c'est pour les pays. Après, il faut voir à quel pays ça correspond. Et ça, vous le verrez. Là, on avait vu tout ça. Pardon si vous entendez la télé. Et là, ça, vous le verrez ici. Mais en fait, allez savoir, c'est pour JPCL. Il faut savoir les diminutifs. Ah, JP, donc ça doit être pour Japan, pour le Japon. Et CL, ça doit être pour... je sais pas, pour un autre pays. Enfin bon, voilà. Donc B, ça doit être pour la Belgique, etc. Puisque j'aime bien, en fait, pourquoi je l'ai choisi, parce que vous avez assez d'espace ici pour noter. Et ça ne se divise pas en deux, comme en général on voit dans des agendas. C'est vraiment très chiant. Et ce que j'aime aussi, c'est que vous avez une page entièrement vide, vierge, mais quand même avec des lignes où vous pouvez écrire des choses en plus. Ça, c'est parfait. Donc, c'est pour ça que je l'avais aussi choisi. Et je l'avais choisi pour son petit format. C'est très bien. Après, je n'ai pas vraiment l'habitude d'un format un peu livre, vous voyez. J'ai plus l'habitude des anneaux ici, mais sachant que ça va rester dans le sac, etc. Les anneaux peuvent partir, peuvent se casser, alors que ça peut tenir un peu longtemps. Ça, c'est pas mal. Et puis, le marque-page, c'est bien aussi un petit clin d'œil. Et là aussi, j'ai bien aimé, c'est cette pochette qui est dedans. J'adore comment elle est faite, c'est bien fait quand même. Et donc là, dedans, vous avez... des petites choses que vous pouvez coller justement dans vos pages un peu bullet journal. Et ça, c'est bien là. Vous voyez, vous pouvez marquer les soldes, les achats, la musique, je sais pas moi, aller faire une promenade, aller au resto, etc. Voyage. Enfin, c'est pas mal, ça coule. J'adore. Et puis là, c'est quoi? C'est des petites explications peut-être comment utiliser cet agenda. Parce qu'ils sont... c'est ça la légende. Elles sont en plusieurs langues. Et ça aussi, un petit truc à coller. J'aime bien, franchement je suis très très contente, satisfaite de mon achat, après avoir dans l'utilisation, mais déjà j'aime beaucoup comment elle est, donc ça va me faire plaisir de l'utiliser. Et la pochette, franchement ça va servir, hein. Ça c'est pas mal. Par contre il faut pas mettre des choses très longues ou mettre, ou les bien mettre sans les casser comme je suis en train de faire, en train de casser tout ce que j'ai là. Voilà, passons à d'autres colis. Et là aussi, j'aime bien ce petit Moleskine. Bon, passons à d'autres... C'est mon premier Moleskine, hein, pour vous dire. J'en ai jamais eu. Voilà, passons à d'autres colis. Et oui, les filles, j'attends toujours les chouchous, comme je vous ai déjà dit. Je ne les ai pas encore reçus, mais je vous montrerai assez rapidement. Mais comme je n'ai pas encore sorti cette vidéo d'Amazon... Et ben j'en profite pour vous montrer encore une commande que j'ai fait hier et je l'ai reçue déjà aujourd'hui. En fait, c'est deux petites choses, c'est deux grosses choses, dans un carton. Enfin, il y a juste deux trucs, mais pas tout petit quand même. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'en suis, enfin, pas fière. Hein. J'ai hâte de commencer à les utiliser parce que j'adore ce que j'ai commandé. Je mettrai les prix en barre d'infos pour que ce soit plus simple parce que je ne me rappelle pas forcément les prix exacts. C'était dans avec les centimes et tout ça. Mais grosso modo, j'ai dû payer 35 € et des poussières, le colis entier. Il est arrivé gratuitement parce que j'ai souscrit un abonnement essai Amazon, 30 € ou 40 € à l'année, mais un mois est gratuit. Donc je teste ça et j'utilise, enfin, je fais les livraisons en attendant. Donc, je vais vraiment essayer de faire bien les vidéos parce que je me suis...
rendu compte que je regardais souvent le retour écran, tout simplement parce que mon appareil photo, il aime bien de faire les images très floutées. Moi, j'aime pas ça et j'aime pas ça quand je regarde mes vidéos en train de les monter. C'est désagréable. Mais ce qui est aussi désagréable, c'est quand je regarde tout le temps le retour d'écran et non pas la caméra. Et du coup, je ne vous regarde pas dans les yeux et je pense que ça peut être assez perturbant et désagréable. Je vais faire des efforts, mais bon, c'est pas facile. Donc, on va ouvrir. On va regarder ensemble. Déjà... Pour vous présenter comment ça a été emballé, bah, ça a été emballé comme ceci. Donc il y en a beaucoup de gens qui se sont plaints, ce que j'ai vu dans les retours, enfin dans les avis concernant ce produit-là, tout simplement parce que à chaque fois ils le recevaient défoncé le bouchon, mais moi j'ai eu la chance, c'est pas défoncé du tout. Voilà, il s'ouvre bien et puis il est operculé, donc je ne pourrais pas l'ouvrir. En fait, c'est de l'huile de ricin qui est valable jusqu'à 2020. Donc j'ai une année et demie devant moi, donc c'est 31 décembre 2020, donc c'est la marque Naissance 217, made for you, donc castor, natural oil 100%, récent, et donc c'est fait, mais je sais pas où c'est fait, est-ce que c'est fait en UK, on dirait. Donc voilà, il y a un litre, je crois que c'était 19,99 au lieu de 40 euros, ou c'était pour... enfin, je sais pas. Je vais vous mettre plutôt les prix dans la vidéo pour ne pas dire n'importe quoi. Donc en tout cas, je kiffe. Et déjà, j'adore que c'est arrivé en bon état. Et puis, le deuxième produit, c'est celui-ci. Il est aussi très bien emballé. Donc vous pouvez voir ici que c'est archi bien emballé. On va le sortir. Voilà, c'est toujours aussi bien emballé. J'adore, là, franchement, ils ont pris vraiment bien soin. Et donc, c'est... c'est l'huile de coco, j'adore. Parce que j'ai quasiment terminé le pot que j'avais acheté chez Action. Donc, j'ai décidé d'acheter celui-ci parce qu'il était pressé à froid, donc cold pressed. Et c'est ce que j'ai entendu, c'est le meilleur, qu'elle soit pressée à froid. Je pense que ça se dit comme ça. Donc elle est plus naturelle et moi c'est pas pour ma consommation, c'est plutôt c'est pour la consommation mais pas à manger, enfin je veux dire je vais pas l'utiliser comme un produit comestible, ça sera plutôt un produit de beauté, donc pour faire des masques pour les cheveux, pour me démaquiller avant tout, c'est avec ça que je me démaquille tout le temps et j'adore parce que ça me fait pousser en plus les cils, donc pourquoi pas faire des masques pour les cheveux, pour les faire pousser encore plus. Je fais également avec ceci mes déodorants faits maison avec Aromazone, les recettes de leur site, ou bien j'en ai d'autres recettes à partir d'un magazine qu'on en trouve chez Monoprix, je sais plus comment ils s'appellent exactement, mais ce sont des magazines de réduction de déchets, de produits naturels, faits maison, etc. Donc vous les trouvez tout le temps devant la caisse en général, ce sont des petits magazines assez utile, vous trouverez pas mal de bonnes informations dedans. Donc voilà, ici il y a 100% donc, de l'huile de coco pure, et ici il y a aussi 1 litre, c'est un pot en verre, ce que j'adore, franchement, contrairement à celui-ci, bon il est en plastique, mais c'est pratique à utiliser un pot comme ça en plastique pour les masques, que celui-ci par exemple. Ici vous devez aller piocher avec une petite spatule, etc., une cuillère, c'est ce que je fais de toute façon. J'ai un petit pot en verre aussi que j'utilise pour me démaquiller, enfin pour me démaquiller les yeux, et donc je mets une petite quantité de ce pot, je transvase dans le petit, comme ça me sert tous les jours, et puis quand j'ai envie de faire un masque pour le cheveu, bah là je vais chercher une grosse cuillère, je vais me faire mes petits mélanges dans un autre petit bol, et puis je vais appliquer sur mes cheveux. Enfin c'est très pratique pour garder ceci, moi je le garde en dessous dans les armoires sous l'évier. S'il fait très chaud, je peux même le mettre au frigo, et je ne sais pas s'ils le disent d'ailleurs, il faut le conserver au frigo ou pas. Moi en tout cas j'ai conservé, ça a été tout le temps sous l'évier. C'est quand il a commencé à faire vraiment très chaud, ça a commencé à bien fondre, donc du coup j'ai transvasé dans un petit récipient que je fais couler maintenant en fait sur ma pompe de main pour me démaquiller, et un autre petit récipient je l'ai rangé tout simplement au frigo pour conserver un petit peu plus longtemps l'huile qui me reste. Et donc ça vient aussi de l'Angleterre en fait, et c'est 100% biologique. Voilà, donc c'était tout. Maintenant, on attend les chouchous et puis, voilà. Bisous. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous ai laissé toutes les infos en barre d'infos.
Pardon pour répétition, donc toutes les informations concernant les liens où j'ai acheté ces produits, vous allez les retrouver en bas de la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos mises en ligne. Sur ce, gros bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao!